Aujourd'hui, l'atelier, on a bien compris, ça va être le rempotage de Rocco, un arbre qu'on connaît pas mal. Oui, 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 ça devrait être rapide, hein. On est quatre dessus. Ce qui m'inquiète, c'est que je vais le mettre dans un pot qui va faire 52. Bon, j'ai mesuré, il est moins de 52 de large. Un peu plus long en longueur, ce pot, il va être dans un pot rond. Voilà, sa face, elle est ici, donc ça, on va pas oublier. On avait pas mal discuté sur cette face. On avait vraiment, on n'était pas tout à fait d'accord, puis finalement on a trouvé un bon compromis. Je crois que c'est l'intermédiaire des deux. C'est l'intermédiaire des deux qu'on a trouvé. Ouais. Donc, bon, après, c'est vrai aussi que la construction et l'évolution de l'arbre l'amène à modifier certaines choses. Donc voilà, il reste le bois mort à faire dessus. Donc bon, j'ai pas eu le temps de finir parce que on est le 21 février aujourd'hui. Il fait très chaud à Toulouse, je crois que sur la France entière d'ailleurs. Ils ont annoncé 20 degrés aujourd'hui, ici. Ouais, ouais. Donc j'ai laissé tomber tout ce que je faisais, tout ce que j'étais en train de faire pour rempoter. L'inconvénient du pin, c'est qu'une fois qu'il a démarré, on ne peut plus rempoter. Il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions sur les pins, notamment quand on doit les rempoter, etc. Et quand il a démarré, pour toi, c'est à partir du moment où le bourgeon il bouge, on est bien d'accord. Où le bourgeon est bien rouge, qu'il commence à bouger. Quoi. On a l'influence des Pyrénées et la nuit il fait très froid. Ouais. On a encore des petites gelées, des gelées blanches, comme ce matin, on a une petite gelée blanche ici. Ouais. Donc ça freine bien les arbres, mais à partir du moment où ces gelées vont disparaître et que l'on aura même 15 degrés dans la journée et 6-7 la nuit, les arbres vont démarrer. Donc il n'y a pas de souci quand on a rempoté ces arbres, quand il y a une petite gelée comme ça matin. Une gelée blanche, c'est pas grave. Une gelée blanche, par ce contre, qu'on appelle de moins 1, moins 2 degrés maximum. Voilà, même moins 3, c'est pas grave parce que c'est sur le coup du matin, ça pénètre pas dans le pot. Ouais. Donc voilà, parce que la plupart des arbres, dont le pin sylvestre, craignent quand même le gel. Si demain on m'annonce du moins 6, moins 7, je suis obligé de les rentrer. Quoi. D'accord. Je mets dans la serre. Il y a aussi beaucoup de gens qui me posent des questions sur comment rempoter un gros arbre. Là, pour le coup, on a pris vraiment un des plus gros que tu as. Bon, c'est un peu comme Goliath, ce sont des gros arbres très imposants, très lourds. Il faut être combien pour rempoter un arbre comme ça? Si tu es tout seul, tu te débrouilles, mais l'idéal étant d'être au minimum à deux. Sans compter qu'il ne faut pas toucher l'écorce de l'arbre. Voilà, donc l'avantage sur un arbre comme ça, on a du bois mort. Là, on peut mettre les mains autant qu'on veut. Ouais. Il n'y a pas de souci. Par contre, on ne touche pas. Tout ce qui est en dehors, écorce, on ne touche pas. Parce que si jamais on met la main ici, toute cette écorce, ça va tomber. Ouais. C'est quelque chose qui ne se refait pas. D'accord. Donc c'est assez catastrophique. Donc, de toute manière, en règle générale, on ne met jamais les mains sur l'écorce des arbres. On fait la même chose quand on prélève d'ailleurs, on ne touche jamais à l'arbre. Exactement. On a suffisamment de bois mort, c'est pour ça que je dis toujours on coupe le bois mort relativement long, de manière à avoir des poignées, on peut accrocher sans problème. On ne lève pas un arbre avec une grosse motte par le bois mort, parce que ça tire sur les racines, c'est du poids, c'est pas quelque chose qui est conseillé. On va trouver beaucoup de racines, je pense qu'ils vont être enroulées au fond, donc il va falloir le sortir. Là si la motte se casse, c'est pas grave puisqu'on va l'enlever. On va enlever un maximum pour le... Il ne restera plus de la terre d'origine, non. Il n'y en a plus déjà. Non, déjà en principe, s'il en reste, il ne doit pas en rester beaucoup. D'accord. D'où l'intérêt de faire des photos quand on rempote, parce qu'un rempotage se fait tous les 3, 4, 5 ans. Il y a le temps de faire des dossiers par arbre, de faire des photos, et comme ça, avant de rempoter, tu regardes, tu jettes un coup d'œil. Pas mal sur la racinaire, Gabi, non? Oui, très bien, oui. Mais bon, je ne m'inquiète pas, hein. La manière de cultiver les arbres, elle a fait ses preuves. Hein. On a pratiquement enlevé tout le substrat, c'est ça? Oui. Il va se densifier maintenant. Le rempotage est fait pour ça aussi. Hein. C'est pour densifier les racines pour qu'elles grossissent. Et là, tu coupes certaines racines trop longues. Voilà, trop longues. Qui sont enroulées. Je défais un peu. Le problème des gros arbres, c'est de trouver des rompots au-dessus de 55 cm. Les pots sont difficiles à faire. Donc on n'a pas trop le choix. Moi, j'ai pas trop le choix. Je me rabats sur les pots chinois parce que je ne trouve pas. Donc j'en ai préparé un. Il fait 52.
Donc extérieur, il doit faire un peu plus de 56 ou 57. Donc ça, c'est un pot chinois. Oui. Grosse préparation, parce que là, pour le coup, il y a un gros trou de drainage, énorme même. Voilà, donc, que j'ai fermé, ouais. J'ai préparé mes attaches, hein, donc c'est bien aussi. Tu mets du fil de combien pour tenir l'arbre? Là, c'est du 2,5, l'arbre est gros, donc je mets du gros fil. C'est de l'alu, hein, je prends de l'alu, comme j'ai beaucoup d'alu. Ouais. Bon, le cuivre, en plus, dans la terre, j'aime pas trop, parce que malgré tout, c'est du cuivre. Ouais. On va le lever, on va le présenter déjà pour voir s'il rentre. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Parce que on le, voilà, tu le prends par là. On y va. Oui. La grosse racine à gauche qui pose problème. On va ramener. Vous la ramenez encore un peu. Comme ça. Ouvert-toi. Non, comme ça. Ouais, là il est pas mal. Il faudrait qu'il soit un tout petit peu plus centré dans le pot. Alors on va voir si on peut couper cette grosse racine. On va le ressortir et on va voir si on peut couper cette grosse racine. Et j'avoue que je suis content que vous soyez là pour m'aider. Je vais couper un morceau de cette grosse racine. Forcément une scie c'est pas fait pour couper dans la terre. Voilà, donc on a quand même la grosseur de la racine, on voit qu'elle s'est cicatrisée, et là en principe on va avoir des racines, des nouvelles racines qui vont se former. Comme on a appris dans les bouquins, hein, le petit dôme au milieu. Alors là c'est le placement au millimètre, c'est ça? Il vaut mieux, hein, parce que... Donc je me fie au plateau qui sont droits. Hein, donc, mon gros problème en ayant cette face, ouais, c'est ce jean qui vient droit devant, qui est très agressif. Oui, donc il faut légèrement sur le côté. Donc il y a deux solutions où je le raccourcis. C'est quand même l'origine de son nom, Arroco. C'est dommage. Ça serait dommage. Ou alors le tourner un tout petit peu. Ou alors le tourner un petit peu, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, ouais, le tourner un petit peu. Ah ben oui. Et là, ça va le faire. Allez, on va, bouge pas. Hein. Ne bouge pas, Thierry. Quoi qu'il arrive, ne bouge pas. Ne t'es crispé. Garde les deux mains dessus, Thierry. Ouais. Attache bien. Une petite astuce aussi, parce que le rempotage, ça a plein d'astuces. Quand on passe des fils comme ça dans les mêmes trous et qu'on attache après, on ne sait plus quel fil est attaché à l'autre. Ah oui, c'est vrai. Donc moi, je fais un fil comme ça. Ces deux-là, c'est le même, parce qu'ils ont une boucle. Et on le fait un peu vibrer pour qu'il se cale complètement, quoi. Bon, pas trop pour ne pas abîmer les racines, mais assez pour bien le caler. Décaler, oui. Voilà, ça reste quelque chose. Ça en avait déjà rempoté Non, c'est trop comme ça, non. Dans tes rempotages, c'est ce que tu fais à peu près pareil? Ouais, pareil. Salut Cédric. Bonjour. Bon, dis-moi, alors, c'est la première fois que tu viens à l'atelier ici. Oui. Quelles sont tes impressions? Très impressionné par la taille des arbres. Il y en a partout, des arbres énormes. Et Gabi, adorable, très gentil, de très bons conseils, surtout. Tu es d'où? Je suis à côté de Gaillac, dans le Tarn. Dans le Tarn, d'accord. Et en fait, tu as découvert les ateliers ici comment? Grâce à tes vidéos, je t'ai contacté, tu m'as proposé de faire l'atelier, donc j'ai sauté sur l'occasion. Tu seras d'origine, t'en mets pas du tout là. Non. Tu vas me parler de mycorhize, non? Bah ouais. Donc je vais le redire, une fois pour toutes, les mycorhizes, hein, on s'en fout royalement. C'est même ok, ça. D'accord. Je ne regarde pas s'il y a des mycorhizes quand je défais. Et je regarde et je n'implante pas dans l'ancien substrat pour remettre un mycorhize. Certains arbres en ont, d'autres n'en ont pas. Pour quelle raison, je ne sais pas trop. Alors quand j'ai une racine rebelle comme ça, que j'arrive pas à enterrer, elle est plus rebelle. Hein.
Je la coupe. Ça, par contre, tu peux le faire sur un bonsaï que tu as beaucoup de chevelu. Ouais. Mais sur un yamadori prélevé, tu ne peux pas le faire. Ça, couper une radicelle, c'est prendre énormément de risques de non-reprise par rapport à l'arbre. La priorité, c'est la reprise. Voilà. Ouais. Il n'y a qu'une seule chose, c'est la reprise. Là, ça fait quoi? Plus d'une quinzaine d'années que tu as cet arbre déjà? Oui, ça fait... Donc on peut dire que tu as fait entre 3 et 4 empotages? Oui, à peu près, oui. Donc là, on peut se permettre de couper des racines maintenant parce qu'on va revenir en arrière au niveau des racines alors qu'on n'avait pas besoin de le faire jusqu'à présent et on sauvegardait toutes les radicelles et les racines qu'il y avait. Donc maintenant, on passe à la phase d'arrosage. Donc on va d'abord descendre l'arbre de la grande tablette, de là où il est, pour ensuite le positionner sur une brouette plus basse. Et l'arroser correctement, l'arroser copieusement. Vous allez voir, c'est aussi spectaculaire parce qu'en fait, il va falloir le noyer. Là, je suis en train de dessus. Après cet arbre, tu vas l'arroser tous les jours ou plusieurs fois par jour? Une fois par jour, enfin, tout dépend, hein, s'il pleut ou s'il pleut pas. Là, on est quand même... il est endormi l'arbre encore, hein, il n'est pas réveillé. Donc, il tourne au ralenti. Bon, avec la pumice, alors, tu as vu l'eau que j'ai mis, pour l'instant, ça ne s'écoule toujours pas. La pumice, elle pompe. Elle pompe l'eau tout en gardant quand même l'aération, c'est-à-dire que les racines elles sont pas noyées dans la pumice. Je ne mets pas beaucoup de pression parce que si je mets de la pression, la pumice elle vole partout. Voilà. Voilà, ça commence juste à couler correctement, en fait, sous le pot. Oui, c'est cela, là. On s'aperçoit aussi qu'on a à peu près 5 cm de substrat en moins. On a descendu. L'autre pot était plus profond, la terre était bombée dessus. Donc ce qui n'est pas plus mal, puisque je ne sais pas si tu te rappelles, on avait le jean qui trempait, enfin qui touchait la terre. Oui, qui touchait la terre. On a gagné 5 cm. On a gagné 5 cm. Oui. C'est bien plus large d'ailleurs. Donc, ça va créer une esthétique encore plus intéressante. Et malgré tout, la grosseur de l'arbre, on a un pot quand même qui est relativement petit. Présenter le rempotage de ce magnifique pin Rocco. On a vu que c'est pas forcément un exercice compliqué, simplement il faut quand même être plusieurs. Voilà, c'est bon, après c'est le respect de l'arbre, pas mettre les mains sur l'écorce, quoi. Puis, mettre des gants. Mettre des gants, voilà, toucher le bois mort. Et après il faut que bon, il y en ait un ou deux qui tiennent pendant que l'autre ouais. Fait autre chose. Donc c'est bon, c'est faisable tout seul, hein. Je l'ai déjà fait, je m'emmerde, quoi. Voilà, c'est tout. Mais là, c'est... Là, on a eu le coup de main de Cédric. Ouais, oui, hein, c'était la première fois que... La première fois que je fais la connaissance, ouais. Que tu es venu faire un atelier, et comment t'as trouvé? Passionnant. Passionnant? Passionnant, bonne humeur. Ouais. À refaire. Bon, bah, écoute, alors on va refaire. Comme d'habitude, Thierry, toujours aussi discret. Non, ça va, je suis... Comme d'habitude. Oui, il n'a pas encore digéré
la Belgique. Ah, la Belgique, hein, ça nous a laissé sans voix pour faire ça. Faites des tours dans les yeux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question, comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous à la chaîne et puis allez faire un tour dans la description de la vidéo. Gabi, on se retrouve très bientôt pour un nouvel atelier ici. Comme tu veux. Sous le soleil de Toulouse. Voilà, on a tombé les vestes au fur et à mesure. Hein. Ouais, au fur et à mesure. Là, on commence à être en petit t-shirt, donc ça va. Allez, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Tu voulais nous parler d'un petit truc pour rempoter, pour le rempotage. Oui, une petite astuce que quand moi je prépare les arbres, donc en période où on ne rempote pas, ouais, pour qu'ils se mettent en place. Donc maintenant on est arrivé à la période du rempotage. Donc moi il faut que l'arbre il soit dans cette position, exactement dans cette position. Quand je vais le sortir du pot, donc mon pot il va être incliné comme ça, cette racine elle va être enterrée. Mais pour avoir la bonne inclinaison dans n'importe quel sens, il y a une petite astuce. Le fil d'aplomb. Viens voir ici. Ouais. Tu mets donc un truc, j'ai mis un point noir là. Donc à partir du moment où mon boulon avec ma ficelle va se trouver sur le point noir, d'accord, tel qu'il est là, mon arbre il sera exactement dans la même position. Et là, on peut pas tricher. Et c'est quelque chose qui est... C'est une petite astuce pour ceux qui veulent... Quand on a une grosse pièce comme ça, quand on est seul pour rempoter, c'est pas simple à faire. Non, c'est donc, pas simple. Donc, il faut le caler. Il faut le mettre en place, le caler. Et ensuite, tu rajoutes la terre. Il faut pas que ça bouge. Et tu as toujours ce contrôle. Tu peux venir contrôler avec le fil d'aplomb pour que ton arbre soit en place. Oui. Donc une simple ficelle, il faut que ça soit souple. Donc une simple ficelle, j'ai attaché comme j'ai pu avec de l'autovulcanisant. Donc voilà, ce qu'il me faut, c'est être pris en face du point où je veux tomber. Quoi. Voilà, j'ai mis un point au feutre. Donc quand le boulon il sera là-dessus à nouveau, ben je serai en place. Bon, moi je partais comme ça. Quoi. Écoute, merci pour cette petite astuce, Gabi. Avec plaisir.